Ok, nous y revoici, nous y revoilà. Me revoici donc sur Alien Isolation pour cet épisode 2. On va continuer ça, écoutez, on va essayer d'avancer dans cette histoire. Et on va économiser les munitions face aux androïdes. Et on va voir l'alien, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire un marchandage? Un référendum? Un ultimatum, voilà, c'est le terme que je cherchais. Je sais pas, on va voir. Bref. Donc le son va bien, tout va bien. En principe, tout est bon. J'ai un tout petit peu augmenté le son par rapport à la dernière fois parce que je le trouvais un peu faible. Mais bon, ça c'est moi. Moi, je sais jamais quand il est fort, il est faible. J'ai envie de tout, j'ai envie l'argent du beurre, le beurre et le cul de la crémière. Enfin bref. On va se lancer au lieu de dire n'importe quoi. Pif paf pouf. Paf pouf. On va voir ce que ça donne, tout ça. Oui, alors il y a juste un truc. Premier, hein, c'est pas le son. C'est sensibilité de la souris. Je vais la mettre un tout petit peu plus comme ça, voilà. C'est bien de voilà. Cette station dessert la maison médicale Saint-Cristobal et Sixon Synthetics. Ah oui, et puis le même souci, c'est vrai que le son dans le jeu, c'est les voix qui sont très faibles. Bref. Reposez-vous. Comment va-t-elle? Il lui faut un traitement. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Restez avec elle. Je vais essayer de réparer l'amplificateur radio. Et si la créature nous attaque? Cachez-vous. Une faille de sécurité non autorisée a été détectée. Tous les... D'accord, en fait, je vais le remettre comme avant. Je trouve que c'est trop violent maintenant. Ah, misère. On sait pas ce qu'on veut. Sont suspendus sur ordre. Qu'est-ce qui se passe? Ah là là. Je suis en plein doute. La sensibilité. La sensibilité. Oui, je suis votre dévoué serviteur. Serviteuse, je vais vous aider. Donc les cachettes, oui, tac tac tac, très bien. La carte, alors allez à la maison médicale San Cristobal, très bien. Et ben on va essayer de faire ça, hein. Oui, voilà. Il n'y a pas de temps à perdre, Ripley. Ah oui, le soin, peut-être que je pourrais me soigner un peu là. Allez, tac. Ce qui est fait n'est plus à faire. Spirit of Sébastopol. Sébastopol? C'est moi qui disais Sébastopol. Établir le courant. Ça va nous permettre peut-être d'actualiser la carte. Qu'est-ce qui c'est? C'est quoi qui est dessiné là? C'est un clin d'œil à je sais pas quoi? Non, je sais pas. Torche à plasma requise. Ah, j'aime bien cette ambiance, hein, quand même. J'aime bien cette petite ambiance d'alien là. C'est vrai que c'est travaillé. Hein. Je cherche un médecin. Vous m'entendez? Je cherche un... Je vous entends pas. Attendez.
vais me... Montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. Ah ah. Que c'est une bonne idée, ça? Allez, venez. On n'a pas de temps à perdre. Attends. Avant. Ne nous précipitons pas. Inventaire ramassé à Jean Collant, je peux pas la... Attendez. Ah, c'est vrai que je peux pas sauter. Ah là là. Je ne peux pas sauter. D'accord. Bon. Entrée dans la maison médicale San Cristobal. Oubliez la porte, les marchands l'ont tout verrouillé. Passez par le conduit d'aération. Oui. Attendez deux secondes, je vais de prendre conscience de mon environnement. Les trous aliens, nous appellerons ces trous les trous aliens. C'est par là qu'il va nous croquer. On va se faire croquer. Croquer de chez croquer. J'ai cru que c'était la nana de Mamma Mia. Mamma Mia, get to show again. Oui, je connais pas les paroles. Ok. Doucement, je vais fermer le conduit derrière vous. C'est juste au cas où. Comment je fais pour la lampe déjà? Ah voilà, comme ça. Ah mais par contre, elle sait pas grimper une échelle sans bouger la tête dans tous les sens. Oh la vache, le grincement quoi. Y'a pas de quoi ma poule, y'a pas de quoi. Alors qu'est-ce qu'on a? Actualiser la map. Donc on a une nouvelle zone. Ok. Carte d'accès requise. On n'est pas vraiment sous notre meilleur jour. Je vois. You see? What can you see? Petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Je suis Coleman. Ripley, je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. On y va comment? Comment ça, on... Vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Je peux vous guider d'ici, si vous voulez. Morlaix ou Lingard devaient sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morlaix. Colombine! Bonsoir à toi. Comment ça? Trouver le bureau de Morley. Et bienvenue. Ce passage, ouais, en fait, t'as fait le jeu, si je comprends bien. Bah là, je suis en mode normal. Je crois que... Je sais pas si on peut voir ça, je crois que... Ah bah non, on peut la changer partout, non, tiens. Non, on va rien changer. Je suis en intermédiaire. Il y a des gens... Il y a des gens qui disent que le jeu faut le faire en expert, mais on va rester en intermédiaire parce que voilà, c'est comme ça. Donc cette scène craint. Ça va super. Aussi bien qu'on peut aller en étant confiné, mais c'est bientôt fini.
Nope, j'ai pas fait le jeu, mais j'ai regardé beaucoup trop de diffusions et let's play de vidéos dessus, d'accord. Du coup, qu'est-ce que... Ça y est, j'ai tout oublié. Elle est le docteur Coleman. Coleman a dit qu'il sait comment prendre comment se rendre au dispensaire médical à l'étage inférieur, mais il a besoin de votre aide. Eh bien, je serais ravi de la lui apporter. Oui. On va essayer. Ça marche, Colombo. Il est culotté quand même, hein. Il est gonflé de me dire ça parce qu'il a pas l'air d'avoir un problème de santé et il dit ouais, je suis pas en état de venir vous aider, patati, patata. Moi je suis pas en forme. Il avait l'air très très en forme. Hein. Pas ce qu'il me raconte, mais. Il essaie de me faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Dis-moi juste où aller, les cas tragiques. Vous tracassez pas, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là. Non, non, mauvaise route. Ah, des munitions, très bien. Ok, bonjour madame. Monsieur, madame, je ne sais pas. Oui, comment je fais pour... Ah! Très bien. Bon, c'est bon à savoir, hein, il y a des cachettes. Alors. Jeu électrique. Oh non. Ah ok, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'on a? Image de la caméra, système d'arrosage, éclairage. Image de la caméra, on s'en bêlec. Éclairage, c'est pas mal. Éclairage, ça peut servir. Je me trompe à chaque fois de bouton. Recolombe. Migène. Cette caméra qui arrête pas de bouger là, ça me. C'est en principe un type de confiance, mais bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? While the crew slept. Bien. Ah, mise à jour de la map, super. Comment on est? On est comme ça, il faut que j'aille au bureau là-bas, très bien. On va s'y en diriger, allez. Une épaisse combinaison spatiale s'offre à vous. Vous la mettez, vous êtes séparés du monde. Vous entendez le son calme et serein de votre respiration. Aucun souci ne peut plus vous troubler. Vous êtes seul, mais vous êtes en sécurité. Comment vous sentez-vous? Ça va, ça va. C'est la capsule de relaxation. Oh la vache. Ça me détend pas du tout, ce genre de truc. Bizarrement. Il fait bon. Vous êtes entouré d'amis. Le soleil est haut dans le ciel. Comment vous sentez-vous? C'est une chambre pour les malades mentaux. Ah oui, j'aurais dû m'en douter un peu avec le contour un peu. J'imagine que c'est des trucs mous, ça. C'est pour pas se faire mal. Pour pas qu'ils puissent se suicider. Ouais. Des murs matelassés, exactement.
Promis, j'arrête de jouer avec la caméra. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben. Ouais, en fait, bof. Hey, Big Bro, he's watching you. Ah, c'est marrant, ce sens du détail, quand même. Ceci peut être mis sur la touche, Morlaix. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui, et je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments, surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement averti. Et pour info, c'est pas moi qui ai un problème. Coleman terminé. C'est pas toi qui as un problème. Mais alors c'est qui? Alors attendez, allez par là. C'est ça non? Ouais c'est ça. On va avancer un peu là parce que je me balade. C'est dans ce couloir. Dans ce couloir. Ah bah ça c'est ok. Alors. Alors ok. Merci Louis, il est là. Il est là. Ok. Vous y êtes, c'est le bureau de Morlaix. Le code d'accès devrait être quelque part par ici. C'est chouette, toute la modélisation des objets, c'est très très chouette. Ah là là, tous les petits détails et tout, tous les petits jetons. Presque à court de médoc, personnel. Est-ce que ça peut se lier en vocal ça? Non. Docteur Lingard, il nous faut plus de stock de stimulants ici. On commence vraiment à être à court. Il y avait Kullman qui les distribue comme des bonbons, ça n'aide pas. Les historiques montrent qu'il s'est rendu au dispensaire 16 fois cette semaine. Il faut qu'on commence à rationner les médicaments. Les habitants de Sébastopol... Ah, donc c'est bien Sébastopol. Il y avait un truc qui s'appelait Sévastopol tout à l'heure. Bizarre. Non, mais c'est bien ça. Comme le... Je sais plus si c'est un hôpital qui est comme ça à Paris. Bref. Dans Sébastopol, vont en avoir besoin de plus en plus au fur et à mesure que la fermeture approche. Vous pourriez en toucher deux mots à Kullman, histoire de savoir où vont toutes ces prescriptions. Quarantaine d'hôpitaux à l'avant-poste du progrès. Vous avez trouvé le code? Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix l'a gardée toujours sur lui. Trouvez-le. Donc, 1702. Quarantaine. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Quoi? Attention, détendez-vous, violation de la quarantaine du centre médical. En attendant, restez concentré sur la recherche de la carte d'accès. Merde. Tiens. 1702. Active nanana. Tous les 15 minutes, le système facture une analyse de la 1702. Oui. D'accord. Système de fichiers corrompu. J'aime beaucoup ce jeu, à part quelques textures qui foutent le camp de temps en temps, il est vraiment extra. C'était une station de métro, non? Oui. Ah, merci, merci Colomb. Merci d'avoir noté le truc. Ouais. C'est cool. C'est une station de métro. Ouais, c'est-à-dire que c'est une station spatiale, mais il y a des stations de métro dedans, ouais. Il y a un genre de métro. D'ailleurs, je sais plus comment on fait aussi. C'est un truc con. Attendez. Je sais plus comment on fait pour recharger la lampe. Fermer. Merde. Recharger.
Je sais plus comment on fait. Chiotte. Peut-être que c'est après. J'ai quoi? J'ai bombe, nanana. Hygiène, alors je sais plus comment on fait. Non, Sébastopol à Paris, c'est une station de métro. Ah, ok, je sais pas pourquoi je. J'associe ça à. Ah oui, c'est de ça dont tu parlais, putain. Je passe du saut. Je passe du saut, blablabla. Je saute du coq à l'âne, bref. Ah oh bordel de cadu. Ok. Bah alors, on fait pipi sur sa chaise? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas du tout peur. Hein. Déjà, je te ferais dire que, en fait. Alors, j'ai même pas peur. Franchement, moi, l'alien, je lui pisse au cul, quoi. Hein? Tu me crois, hein? Bordel. Donc là, il nous dit que l'alien est à gauche. Bordel de merde. Bordel de merde. Il est en train de s'éloigner, 85. 80. Ok, il s'éloigne. Oh merde. Il se rapproche. Et il s'éloigne à nouveau. Il se rapproche. Oh la vache. Oh putain. Tu vas pas pouvoir avancer si tu attends éternellement. T'inquiète pas, mais oui, je sais, mais comme c'est les premières confrontations avec la hyène. C'est les premières là. Putain. Alors attends, il faut qu'on aille où? Il faut qu'on aille où? Il faut qu'on aille là, trouver la carte d'accès du docteur Morley. Bon, très bien. Ça c'est quoi ce truc là? Je me demande si j'ai fouillé ça. Ou j'aille là et que je fouille ce truc. Okay. Ah oui, la première confrontation là. En fait c'est la vraie scène maintenant où on est poursuivi par l'alien. Et il se balade vraiment. Alors que les autres fois, il était sorti une fois, il y avait une cinématique. C'est tout. Après... Il était sorti une fois aussi entre les androïdes. Mais voilà. Là maintenant on est dans le dur. Ah par contre c'est très chiant ça. Comment on fait pour voir le capteur là hein? Comment je fais? Oh merde.
Putain, la vache. Vous êtes allongé. Votre lit est chaud et confortable. Une personne qui vous est chère vous prépare le petit déjeuner en bas. Vous pouvez le sentir. Et l'odeur est agréable. Vous êtes dans une autre pièce. Putain, les pas qu'il fait. Pas loin. Vous êtes séparés, mais vous êtes reliés. Dans très peu de temps, vous serez de nouveau. Comment vous savez ? Putain, je sais même pas où je dois aller. Ça me prend la tête. Ah merde, c'est là où j'étais tout à l'heure, fais chier. Niveau de sécurité trop bas, ça recommence. Où je vais, c'est ça qui m'énerve. Je sais pas où aller chercher. Trouver la carte d'accès. Ah, ici peut-être. Attendez. Non. C'est quoi déjà la légende? Intérêt. Ah, mais oui, c'est là qu'il faut qu'on aille. Tu con. Ah. J'ai fait ce chemin-là. Ça m'a servi à rien en fait. Je suis débile.